This book contains a sum of works that is like 15 years of collaboration between Julien Classens and me, and it's more a work of Julien, who by himself came to see the backstage of the shows, and he chose to do his own way the pictures there. I remember one day when Julien came and said, you know, Olivier, little by little, I start having quite a lot of materials about the pictures that I do on your shows. I was like struck by the numbers of pictures he had taken. There are like thousands of pictures of each backstage. And for the selection, it's quite a big work because it's almost like a movie. He's shooting everything. C'est pas vraiment du reportage. Il faut bien comprendre que j'étais encore étudiant quand j'ai commencé à faire ces images et que ce qu'on me demandait de faire à l'école était tout à fait différent. Le fait que les backstage soient un amusement ont fait que ces images ont été très vite quelque part plus naturelles et plus fortes parce que je ne m'imposais rien. Là, la couleur, c'est vraiment une histoire étrange dans ce backstage. C'est fou, la délicatesse, la variation, quoi, là. Je pense que quand t'es vraiment clair, il y a une part de mystère qui disparaît. Non, c'est évident. As a fashion designer, I had some very different experiences. I've been working for myself, I've been working for French houses, different ones. Julien is the only link between these stories. His approach probably has been quite influenced by the place I would be working in, and even the black and white in Russia is very strong, but the color in Ritchie is also very interesting. And he accompanied me a little bit through my process, my career. Je crois que ce qui se passe ici, c'est vrai, c'est que tu as tous les protagonistes autour d'elle en train de la regarder. On dirait presque une mise en scène. Enfin, tu voudrais l'inventer, tu n'y arriverais pas. C'est tellement une photo backstage comme on n'a pas. Ça, vraiment, j'aime vraiment beaucoup. Il faudra voir avec la pliure, par contre. It's always a surprise for me when, after a show, I see what Julien took in pictures. Of course, for me, every show is the same. The backstage is the same craziness. And suddenly I see in the work of Julien like some very empty space, a girl that is alone, some dramatic looks. A photographer in that surrounding will be interested by the more sparkling side of fashion. In his work, he more tend to find emotions, a strange beauty, a moment of loneliness, or a more surrealistic moment also. C'est beau le rapport entre l'étoile nœud et les étoiles des ondes des feuilles. Oui, c'est comme une répétition du motif. Et avec ses mains qui sont dans des drôles de positions, c'est pas mal. Il y a beaucoup d'histoires de mains dans ce backstage, c'est marrant, hein. Il y a cette photo-là avec la main de l'homme. C'est inquiétant, cette main qui va vers elle. Je me souviens d'une autre photo où on voit un gros plan de tailleur avec deux mains. Il y a celle-ci, mais je pense que tu parles d'une autre. Oui. Parce que c'est aussi une histoire de main en même temps. Oui. C'est comme cette image-ci. Moi, je trouve que c'est étrange, ce jeu de mains que tu as dessus. C'est étrange, elles ont l'air de se passer quelque chose. C'est marrant que tu lises la photo comme ça, j'ai vraiment l'impression qu'elle lui lâche la main. Ah oui, oui, oui. Moi, je voyais ça comme un abandon. Les gens de la mode ne sont pas forcément des gens uniquement superficiels ou qui font des choses glamour pour le glamour. Il y a des gens comme Olivier Tesquens qui sont des artistes avant tout. Et j'étais très agréablement surpris, puisqu'après une demi-heure de travail, j'ai tout de suite compris qu'on était sur la même longueur d'onde. Et je crois que c'est là où j'ai de la chance, et parce qu'il m'a laissé une totale liberté. He instinctively goes into his own story about that adventure, that show in particular. He mostly kept his way. He has not been influenced by fashion trends or what would show fashion magazines. It's more connected with also my own aesthetics of beauty. The way he can shadow some faces, the way he takes them into strange expressions. C'est vrai qu'elle est très grise. Elle est un peu blanchie comme ça. Au moins ici, tu retrouves le type de couleur qu'il y a dans cette série-là, quoi. Il y a plus de couleurs dans ce tirage. C'est plus beau d'ailleurs.
Ce que je trouve beau, c'est que c'est flou, mais tu as vraiment la netteté sur sa bouche. Ouais, exact. Moi, le dilemme avec elle, c'est qu'elle a tellement de photos, tu l'as beaucoup, beaucoup photographiée, et elle est tout le temps tellement sublime, que c'est malheureux, mais il faut en prendre une. I was really pleased that Sally Singer could write the introduction of the book, and she describes very well how I encountered Julien. He was looking to Lacan, the artistic school where there is a photography department and there was also a fashion department. Peut-être là où l'univers d'Olivier rejoint le mien, c'est qu'on essaye, par des choses qui sont complètement réelles, d'en faire un monde, un univers étrange et bizarre et qui nous appartient quelque part. Si. Ça, on peut peut-être garder aussi en vis-à-vis, parce que ça donne un peu ce truc en commun. Hein. Et celle-là, elle est aussi un peu particulière, elle est un peu unique dans son genre, je trouve. Faut la mettre à la fin. Donc peut-être en suspens.